Professeur Grant, mon cher professeur Sattley, bienvenue. Les Moon Park. Kevin, première matinée de tournage. Première matinée très fatigante. Voilà, on fait une pause miam miam. Et ensuite c'est reparti. Arrivée de Baptiste, première. OMG, il y a Quentin, première. Cours, Quentin. Échange de goût, travelling, deuxième. Regard de chiller, première. Alors, Jérémy Le Guillou, votre participation à ce tournage. Ça fait une demi-heure que je suis allongé par terre sur des cailloux. J'ai le dos en vrac, la nuque complètement morte. Tout ça pour jouer un cadavre. Je suis pas acteur, moi. J'étais un cadavre exquis. J'ai un cadavre exquis. Tu peux me faire une sortie dramatique, genre tu sors du champ. Mmh.
Alors Léa, c'était comment? J'ai fait dodo. C'est bien? Oui, un peu des araignées, mais ça va. Hein? Oh mon dieu! Enlevez ça! Enlevez ça! C'est le deuxième jour, on va reprendre le tournage. Et là, on va se mettre en costume, on va aller se rouler dans la boue, il est 6h30. Le truc, c'est qu'il a pas plu ce matin, donc je sais pas où je vais trouver de la boue. Ça, c'est un aspect du métier dont on vous parle pas au conservatoire. 7h du mat, en avril, à se rouler dans la boue. Dans le nombril. Nous nous battrons sous une pluie de flèches, ou sous une pluie tout court. On va commencer par un bon échauffement, parce que là en plus il fait pas mal frais, donc c'est hyper important de vraiment bien s'échauffer. Ensuite on fera une mécanique, donc en fait c'est une répétition du combat en entier, à 50-75% de la vitesse, où c'est vraiment juste les gestes, il n'y a pas d'intention, tout ça, pour que même Kevin répète ses placements en même temps. Et ensuite, on a la feuille mouvement par mouvement, quel plan pour quel mouvement. Et dès que la méca est prête et qu'on est tous prêts à tourner, on y va. Je veux que je te fasse un petit discours, mon petit Johnson. Un petit discours sur la guerre. Mais tu sais pas ce que c'est, la guerre. La guerre, ça transforme les gens. Oh, 55% tu m'as dit. Faut la faire qu'une fois là. Allez. J'ai fait ressort. Salut, je suis Max Neuer, compositeur pour les Human Prod, sous leur court-métrage Sick Mana. Bienvenue chez moi, dans mon petit studio de composition. Quentin et Baptiste, on avait discuté un petit peu de leur volonté, on va dire, leurs premières idées sur le thème, sur la musique, sur le genre. Donc il a fallu que je trouve un thème pour chaque personnage et un sorte de thème central qui relierait les deux thèmes. J'ai un document très détaillé sur les inspirations qu'il me fallait. Baptiste, Seigneur des Anneaux, voilà, et Quentin, Viking. Et à partir de là, Baptiste, je voyais ça très chevalier, fantastique, des violons assez longs, assez léger, mais avec quand même une lourdeur, quelque chose d'assez puissant.
Pour Quentin, c'était plus le côté tribal, viking, donc là des gros tambours, des choses un peu proches de la nature, par exemple il y a une sorte de flûte de pan. Donc on commence avec, avec Baptiste, avec son ambiance à lui, on passe directement à Quentin avec son ambiance à lui, et après dans le reste de la vidéo j'ai essayé de mêler les deux, parce que l'histoire du film c'est leur rencontre finale, puisque le film bah, est sans dialogue, il fallait absolument que la musique porte le film, donc c'était un travail de narration par la musique, exactement ça. Une fin de tournage! Wouh!